Si je peux résumer un peu notre jeu, tu joues un esprit de la forêt dans un monde un peu post-apocalyptique où la civilisation d'avant a consommé de l'environnement sans penser aux effets. La place de l'environnement dans le jeu est très importante. Pour créer l'univers en soi, on a fait beaucoup de recherches sur certaines civilisations, sur des œuvres qui ont déjà été créées, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est souvent les mêmes erreurs qui sont refaites. C'est un petit peu l'individualisme, et là, c'est ce qu'on essaye de montrer à travers le jeu. Le média du jeu vidéo, c'est l'un des meilleurs médias pour pouvoir faire passer des messages et apprendre des choses aux joueurs, et que ça vienne directement de l'expérience du joueur et pas d'une expérience extérieure qui lui a été inculquée. On sait maintenant que toutes les actions qu'on fait ont des conséquences lourdes. On a vraiment atteint un point de non-retour qui est vraiment alarmant, et on a besoin d'en parler et de plus en plus médiatiser ce genre de problème.